chaque année, c'est un moment important. Hein. C'est le moment où on se retrouve tous, souvent avant les vacances. C'est l'occasion de rencontrer tout le tissu économique local. Et en tant que club de rugby, pour nous, c'est important. On retrouve beaucoup de gens qu'on a l'habitude de retrouver au stade. Et c'est un moment de convivialité avant tout. Et puis c'est un moment pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres, des échanges. Et puis toujours dans un cadre convivial, sympathique. Donc on sait dans tous les cas qu'on va passer un bon moment. Bah, l'UPE30, pour nous, c'est un partenaire historique et depuis l'origine de l'association. Parce que finalement, on a des missions qui se complètent. Et là, par exemple, on envisage d'organiser des événements et des temps d'échange communs entre entreprises sur nos thématiques respectives. Donc ça d'intéressant. Et globalement, on a des adhérents qui sont autant adhérents à FASGAR, par exemple, qu'à l'UPE. N'hésitez plus, pensez innovation, venez passer l'année avec nous. L'innovation, c'est se remettre en question pour pérenniser nos entreprises, pour les développer. Et donc nos messages finissent par porter, par passer. On a absolument besoin du relais de ce que tu fais ici dans le Gard. Le service peut permettre d'innover. Dès le premier jour, on a innové et 20 ans après, on continue à innover. Merci beaucoup et je vous invite à passer à la partie conviviale de la soirée. Merci. Rendez-vous annuel du monde de l'entreprise qui montre la vitalité économique de notre département. Et en tant que président de l'agglomération nîmoise, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec l'ensemble des entreprises qui composent ce tissu.